Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Contrepoint, un numéro aujourd'hui consacré à tout ce qui en musique est petit, voire microscopique. Micro-intervalle, micro-ton, micro-silence, micro-forme, micro-instruments, micro-partition, art de la miniature. Un monde de l'infiniment petit dont je parle dans le cadre de la session culture du 14e congrès francophone d'allergologie, CFA 2019, qui se tient du 16 au 19 avril 2019 au Palais des Congrès de Paris et qui a pour thème fil rouge le microbiote. Je vous invite donc à entrer dans le monde des éléments musicaux minuscules, mais dont l'importance est en profondeur, comme le rappelle le compositeur aux célèbres aphorismes Erik Satie, dont les œuvres sont petites comme des trous de serrure, tout change si on y approche son œil ou son oreille, écrit Cocteau dans Le Coq et l'Arlequin. Erik Satie, dont voici la très modeste et courte danse de travers pour piano. Ludwig van Beethoven a laissé de vastes symphonies qui parfois demandent jusqu'à 50 minutes d'exécution. Mais ces grandes fresques musicales peuvent être bâties sur de minuscules éléments musicaux, comme la cellule mélodique qui remplace souvent chez lui le thème, pensé chez Mozart, par exemple, comme un long serpent mélodique. C'est ce que l'on entend dans le premier mouvement de la 5e symphonie, construit non pas sur un thème, mais sur une cellule mélodique et rythmique, devenue célèbre pour avoir incarné le destin qui frappe à la porte. Les quatre notes du pom 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 pom, sol 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 mi bémol joué fortissimo et leur motif rythmique ont suffi à Beethoven de 1808 pour écrire une des œuvres les plus marquantes de son époque, comme le rapporte Hoffmann, rédigeant la critique de la création. Une cellule qui a longuement retouché, comme le montrent les esquisses de sa 5e symphonie, car elle devait avoir le potentiel nécessaire pour être développée au maximum dans le reste d'un premier mouvement qui donnerait le ton de l'œuvre globale. Beethoven, qui s'expliquera plus tard sur ce qu'incarne ce célèbre microthème, ainsi le destin frappa-t-il à ma porte. Une cellule thématique qui apparaît en germe, à l'état fragmentaire ou accidentel, dans des œuvres antérieures et qui ne réapparaîtra plus dans les œuvres ultérieures, pour avoir été ici exploitée à son maximum. Une cellule thématique et rythmique si frappante que Manuel de Falla la réutilisera dans son tricorne et que Richard Strauss la travaille dans ses métamorphoses. Voici la 5e symphonie, premier mouvement. Thank you.
Le micro-intervalle, un intervalle plus petit qu'un demi-ton, intervalle qui sépare Do et Do dièse par exemple, est très usité par les compositeurs du XXe siècle pour éviter le système tonal éculé pour avoir trop servi depuis la fin de l'âge baroque. Ainsi, Alois Saba et Ivan Vinicheslavski expérimentent-ils pour éviter le système tonal éculé la micro-tonalité. La division de l'octave en 12 demi-tons étant purement arbitraire, il n'y a aucune raison de continuer à tolérer cette restriction. Tout comme le peintre peut créer des couleurs et varier leur intensité, le musicien peut également obtenir des vibrations sonores qui ne correspondent pas au ton et au demi-ton traditionnels, mais qui varient d'un son à l'autre. Nous ne pourrons vraiment explorer l'art du son, c'est-à-dire la musique, que si nous avons des moyens d'expression entièrement nouveaux, écrit Edgar Varèse dans la musique de demain. Il s'agit Il s'agira donc de tirer parti des divisions de l'octave en intervalles inférieurs au demi-ton, le quart et le huitième de ton, micro-intervalles qui donnent une micro-tonalité et produisent des effets sonores miraculeux, écrit Ligeti. Toutes les dimensions du langage, durée, timbre, instrumentation, nuance, mode, mélodie, rythme, étant transformées grâce à ces micro-intervalles. Et de M. Vinicheslavski, voici le troisième prélude en quart de ton. Attention, ça frotte. Thank you.
On est bien dans un nouveau numéro de Contrepoint consacré à tout ce qui est minuscule dans la musique. Et minuscule est le croquis musical, et qui est comme en art plastique un dessin fait rapidement à main levée, dont le but est de dégager à grands traits l'essentiel du sujet, du motif, croqué sur le vif comme dans un carnet de voyage. Un croquis doit être juste pour permettre la perception instantanée. C'est ce que pratique Eric Satie avec son cycle de 21 pièces birèves pour piano, sport et divertissement 1914, complété par des dessins, des croquis de Charles Martin. La partie dessin est figurée par des traits d'esprit. La partie musique par des points noirs. Quelques commentaires poétiques ou ironiques du compositeur complètent l'ensemble, écrit Satie dans la préface, de cette suite de minuscules pièces qui font parfois moins de 20 secondes, dont les titres sont assortis d'un court aphorisme poétique, comme celui de la balançoire. C'est mon cœur qui balance ainsi, il n'a pas le vertige, comme il a de petits pieds, voudra-t-il revenir dans ma poitrine? Ou de la chasse, entendez-vous le lapin qui chante, quelle voix? Le rossignol est dans son terrier, le hibou allaite ses enfants, le marcassin va se marier, moi j'abats des noix à coups de fusil. La 21e pièce croque en quelques notes une partie de tennis. Play, yes, le bon serveur, comme il a de belles jambes, il a un bonnet, service coupé, game. Eric Satie, sport et divertissement, tennis. Pour Claude Debussy, les micro-nuances ou nuances aux échelles très fines sont une manière de détailler la densité d'un son, d'un accord, d'un agrégat, mais aussi une manière d'assurer la fluidité de l'interprétation de ces musiques-discours. Ce qui correspond aussi aux touches de couleurs subtiles de la peinture impressionniste qui détaille par accumulation de nuances de ton. Une noyade du ton que l'on retrouve dans la cathédrale engloutie, prélude pour piano solo publié en 1910, qui peint la ville légendaire d'Is, construite dans la baie de Douarnenez, engloutie par l'océan, nuance pianissimo, dans une brume doucement sonore, doux et fluide, indique la partition. Une baie de Douarnenez où sonnent encore les cloches de l'église au moment où la marée descend. Piano marqué, augmenté progressivement, sonore sans dureté, peu à peu sortant de la brume, flottant en sourd comme un écho de la phrase entendue précédemment, nuance fortissimo. Claude Debussy est ici à la recherche d'un phénomène de résonance, utilisant les pédales du piano pour noyer les sons, comme dans les deux cahiers des études composés en 1915, la 10e étude pour les sonorités opposées, où Claude Debussy exploite toutes les ressources inexplorées jusqu'alors des timbres, des attaques, des intensités et donc des micro-nuances dans le cadre d'un seul piano. Polyphonie de timbres, délicatement étagée dans l'espace ou d'ailleurs, l'interprète est fortement mis à contribution, car c'est avec ses doigts, les points impondérables dont il les charge, qu'il doit matérialiser ou plutôt immatérialiser cette écriture. De plus, il doit, de sa propre initiative, combler les lacunes de notation des intensités, ce qui suppose une médiation préalable sérieuse, écrit Boucourt-Leschlieff. Avec un raffinement extrême dans l'écriture des nuances, comme aux mesures 38 et 40, où le même accord doit être joué trois fois de suite, de manière différente, piano doux, piano marqué, piano expressif, piano pénétrant. De Claude Debussy, la 10e étude pour les sonorités opposées. Thank you.
Une sentence énoncée en peu de mots ou une phrase qui résume un principe, tel est l'aphorisme. Une pensée qui provoque d'autres pensées comme l'adage, le dicton, la maxime, que tous énoncent des vérités et des morales. C'est ce que cherchait Alexandre Scriabine dans ses nombreuses pièces courtes, telles les poèmes opus 59 et 63, Vers la flamme opus 72, les études opus 65 et les préludes opus 74, œuvres de quelques minutes qui cherchent à contenir l'univers dans une seule note. Des œuvres qui montrent l'obsession de Scriabine pour l'économie de moyens et la densité que le microcosme donne à la matière musicale. Des pièces qui deviennent un monde clos et montrent l'inanité de tout bavardage musical où musique et silence ne font plus qu'un. Scriabine, Étrangeté, opus 63. Les micros instruments sont également choisis par les compositeurs pour créer des œuvres savantes, érudites et virtuoses, comme le fit Cage, composant pour piano joué ou Toys Piano en 1948, ses Suites for Toy Piano, ou en 1960 dans ses Music for Amplified Toys Piano. Comme Matthew McConnell, composera en 2004 un concerto pour piano joué et chambre. Léopold de Mozart utilise lui aussi dans sa Symphonie des jouets, plaisanterie musicale, des mini-instruments ou instruments joués, apocoucou, apocaille, sifflet à eau, rossignol, trompette, joué à une note, crécelle hochée, tambour d'enfant, placé en position de soliste et dialoguant avec un orchestre à cordes. Mozart, Léopold, Symphonie des jouets, premier mouvement. Thank you.
Le concept de musique minimale s'est développé au cours des années 70 avec les expériences de Cage et en art plastique des membres du groupe Fluxus. Une musique minimaliste qui se confond rapidement avec le courant des musiques répétitives et qui se caractérise par la réduction délibérée et radicale du matériau compositionnel, des schémas harmoniques simples, des formules rythmiques fondées sur une seule pulsation, des variations insensibles et progressives d'un élément sonore de base et des nombres limités de hauteur de son. La musique minimale fonctionne à partir de matériaux limités ou minimaux, des œuvres qui utilisent seulement quelques notes ou bien des œuvres écrites pour des instruments très limités. Des œuvres qui évoluent dans des cercles sans fin, des œuvres qui installent un mur statique de son, des œuvres qui impliquent un très long moment pour évoluer. Peut-être les formes les plus anciennes de minimalisme ou de réductivisme sont-elles en réalité celles des artistes visuels comme Malevich ou Mondrian qui ont travaillé avec un minimum de couleurs et de formes, ou encore de l'école du minimalisme en sculpture qui prit la forme de simples carrés et cubes à New York au cours des années 50 avec des artistes comme Sol LeWitt ou Karl André. Musique minimaliste, ici illustrée par Steve Reich, avec ses microcosmes répétés de manière à épuiser les relations entre deux motifs, qui donnent des musiques ininterrompues, continuelles et sans rupture, sur laquelle nous allons nous quitter. De Steve Reich, électronique contrepoint 1 Fast, mais avant, vous pouvez podcaster cette émission et retrouver son texte sur le site de RCF Nice Côte d'Azur. Bonne semaine sur RCF et à très bientôt pour de nouvelles aventures musicales dans Contrepoint.